Salut et bienvenue dans cette vidéo, ici c'est Simplice de ETR Allemagne et j'aimerais donner dans cette vidéo un petit conseil à tous ceux-là qui sont en train d'apprendre l'allemand, tous ceux-là qui ont décidé de venir en Allemagne, de voyager, de venir étudier. Alors à l'époque, un de mes professeurs m'avait parlé de la loi de l'immersion, ça veut dire se tremper pas à 80% mais à 100% dans un environnement complètement allemand. Alors ça veut dire que si actuellement tu t'es inscrit déjà au cours de langue et que tu es en train de faire tes premiers pas, alors la deuxième chose que tu peux faire par exemple, c'est de changer la langue de ton téléphone en allemand. Ok? Tu changes la langue de ton téléphone en allemand. Si tu as un ordinateur, un PC, tu changes aussi le langage de ton PC en allemand. Ok? Si c'est possible, si ce n'est pas possible, bon, ok, tu peux laisser en français ou en anglais. Mais je te conseillerais de laisser en anglais parce que voilà, ici, même les Allemands, ils sont fans en fait de l'Amérique. Ça veut dire que plus tu as un bon niveau en anglais en Allemagne, plus tu auras encore davantage des opportunités. Donc cette technique de l'immersion te permet en fait de découvrir des nouveaux vocabulaires, une nouvelle grammatique et tout. Donc voilà, et maintenant tu vas te balader. Le troisième conseil en fait, c'est de te balader sur des sites allemands. Donc tu tapes google.de. Au lieu de naviguer sur google.fr, tu navigues en fait sur google.de. Et comme tu vas naviguer sur google.de, tu vas faire des recherches exclusivement en allemand, ce qui fait que ton cerveau va commencer à baigner dans un nouveau vocabulaire, dans un nouveau monde, et automatiquement, ton cerveau va capter doucement des nouveaux mots, des nouveaux paragraphes, des nouvelles techniques, des nouvelles difficultés que tu devras bien sûr toi-même masteriser. Donc voilà, c'est une technique que moi je pratique, oui, que j'ai pratiquée à l'époque, et qui m'a vraiment permis de rapidement comprendre en fait l'allemand ou bien de rapidement apprendre l'allemand et de ne pas avoir certaines difficultés, parce que plus tu apprends rapidement l'allemand avant de venir en Allemagne, mieux il est pour toi. Sinon tu risques d'arriver ici sur le territoire, au lieu de faire 3 mois pour avoir tes cours de langue, tu vas te retrouver en train de faire par exemple 1 an ou bien 6 mois ou bien 2 ans, ou on peut même te rapatrier après, tu vois, parce que tu n'as pas validé ce qu'on appelle en Allemagne le baccalauréat pour les étrangers, pour entrer bien sûr à l'université. Donc c'est le DSA, c'est le diplôme, ça s'appelle le DSA, mais on appelle ça en fait le baccalauréat. Bon voilà, tu viens avec le baccalauréat de l'Afrique, mais ici le gouvernement met en place un autre diplôme qui atteste en fait que tu as un très bon niveau d'allemand avant d'entrer à l'université. C'est un diplôme qui est important, qui est même exclusif. Si tu ne l'as pas, tu n'as aucune chance en fait d'étudier dans une université en Allemagne. Donc voilà, pratique simplement cette technique, elle est assez intéressante. Tu changes complètement tout ton environnement digital au maximum en allemand, téléphone, PC, site internet, là où tu fais tes recherches, là où tu surfes, ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu vas automatiquement apprendre l'allemand. Et un autre point en fait qui est intéressant, c'est que tu peux trouver un correspondant en Allemagne, un allemand avec lequel est-ce que tu chattes constamment. Ça peut être un étudiant, ça peut être un travailleur. Vous chattez, tu écris en allemand, lui t'écris en français. On appelle ça des tandem programmes. Donc des tandem programmes te permettent en fait d'aider quelqu'un dans une autre langue avec ta langue et lui il t'aide en fait dans sa langue. Donc tu trouves un allemand qui t'aide en allemand et toi tu l'aides en français ou en anglais. Voilà, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu me laisses un pouce en l'air et si tu as des questions, bien sûr, dans la barre de description. C'était le Focus, on est ensemble. Bye bye.